Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un week-end lumineux. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 13 au 19 mai. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité, d'objectivité et de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la réussite. Écoutez, on aime bien commencer avec ce genre de message la semaine. Donc ici, il y a une réussite qui vient vers vous. En tout cas ici, oui, ce que vous êtes en train de mettre en place peut aussi vous apporter la réussite. Donc, tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi, car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Donc ici, on dit que oui, il y a des jolies récompenses qui viennent vers vous pour vous récompenser de vos efforts, pour vous récompenser de vos actions, pour vous récompenser aussi sur le fait d'avoir cru en la vie, d'avoir eu la foi, en fait, d'avoir eu la foi en vous, en vos projets, en ce que vous voulez vivre, en ce que vous voulez concrétiser, puis d'avoir eu la foi sur le fait que, bah oui, la vie est là pour vous accompagner et que vos anges, vos guides sont là aussi à vos côtés. Donc ici, oui, on vous prévoit une belle réussite, en tout cas, peut-être parce que vous allez obtenir ce que vous voulez, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, dans vos projets, c'est plutôt pas mal. C'est déjà des énergies très lumineuses, hein. Je vous souhaitais un week-end lumineux. On continue dans la semaine sur des énergies lumineuses. Ici, on a des doutes, on est en pleine réflexion, on hésite, on se questionne, et c'est normal, hein, par rapport à des projets que vous mettez en place. Peut-être qu'ici, vous avez commencé à vous lancer dans un projet, mais finalement, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que j'ai tout prévu, est-ce que j'ai pas tout prévu. Donc ici, oui, on a des doutes, on se questionne, d'accord? Donc ici, on se questionne sérieusement, on hésite, mais finalement, on va y aller, d'accord? Donc ici, oui, on se questionne, on a des doutes, on a des hésitations, mais en même temps, ces doutes-là vont vous faire chercher des informations, vont vous faire peut-être chercher la bonne personne qui correspondra à votre projet, la bonne personne qui pourra vous aider. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Donc ici, oui, ces doutes-là ne sont pas là par hasard, parce que le hasard n'existe pas. Ces questionnements, ces doutes-là sont là pour vous aider à vraiment bien, entre guillemets, ficeler votre projet. D'accord? Donc ici, oui, c'est vraiment pour ne rien laisser au hasard, en fait. Voilà. Ici, eh bien non, regardez. Oui, vous avez des doutes, vous avez des hésitations. On vous dit non, n'hésite pas. Ce que tu veux mettre en place va t'apporter de la prospérité matérielle et spirituelle. Donc, ce que vous voulez mettre en place ici, eh bien, c'est quelque chose qui va vous aider à croître, à grandir, à vous enrichir. Mais pas forcément que matériellement, hein. Ça va vous aider à vous enrichir aussi au niveau spirituel. Peut-être qu'ici, vous avez un projet qui sert le spirituel, mais qui passe peut-être par du matériel. Peut-être, par exemple, vous allez acquérir peut-être un appartement, peut-être une nouvelle maison, mais dans cette maison-là, bah, vous voulez peut-être vous réserver une pièce pour votre spiritualité, peut-être ici pour pratiquer, pour organiser, je sais pas moi, des réunions, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici, ces doutes-là, bah oui, sont là pour vous poser les bonnes questions, et ces bonnes questions vont vous amener sur un chemin lumineux. Ici, on a le soleil en face, donc ici, oui, on va vers le succès. Bon, bah écoutez, moi j'aime beaucoup ces énergies. En tant que bélier, hein, on ne peut pas dire qu'on n'est pas bien servi. Ici, on parle de transformation. La mutation, c'est la transformation. On apporte du changement. Ici, il y a quelque chose peut-être qu'ici qui stagnait, ou peut-être qu'ici, on s'était peut-être, entre guillemets, encroûté également. Et là, on va faire bouger les choses. Là, on va dire non, non, là, ça suffit. J'en ai marre, je prends le taureau par les cornes, excusez-moi ami taureau si vous passez par là, mais ici oui, je vais apporter du changement, je vais transformer quelque chose. Ici, oui, je veux casser une routine, je veux casser des habitudes, j'ai besoin, vous allez avoir besoin de renouveau, vous avez besoin de cette grande bouffée d'air frais, d'accord? Donc ici oui, il y a un changement, il y a une transformation, mais qui vient de vous. C'est vous qui êtes à l'origine de cette mutation, de cette transformation. Après, peut-être que mutation, peut-être que certains d'entre vous, vous avez demandé une mutation. Vous avez demandé de changer de région, de changer peut-être ici, de partir, par exemple, dans les dom-toms. Coucou aux amis
des dom-toms. Donc ici, oui, vous voyez quand ça pèse les poux, donc ici, oui, on a demandé une mutation, on veut changer. On veut changer d'air, on a besoin, d'accord? Ici, vous voyez quand ça pèse les poux. Peut-être qu'on veut transformer aussi dans ses amitiés, peut-être qu'on veut faire du tri également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment un changement, mais pour respirer. Ici, c'est un changement pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et c'est ce qui va, et c'est ce qui va se passer parce que c'est une réussite. Les changements que vous allez mettre en place vont vraiment être une réussite pour vous, amis Bélier. Une réussite au niveau matériel, certes, mais c'est surtout que ça va peut-être vous ouvrir véritablement à de nouvelles perspectives. Hein. Donc vraiment, c'est un changement qui est souhaité, qui est voulu, et vous allez vous donner les moyens d'y aller, et vous faites bien parce que ces moyens vont être récompensés, puisqu'on vous annonce la réussite. Donc ici, une transformation. Une transformation, on vous dit surtout, là c'est l'étoile. L'étoile, c'est surtout, faites un vœu concernant cette transformation, ce changement que vous voulez voir arriver dans votre vie, où on vous dit que ce changement que vous espérez tant, que vous demandez tant, ici, on dit, il est en chemin. Votre vœu va être exaucé. Ici, avec l'étoile, on dit surtout, crois en ta bonne étoile. Surtout, crois en ta bonne étoile parce que oui, tu vas retrouver ton chemin. Ou oui, tu sais exactement sur quel chemin tu es et vous allez faire ce qu'il faut pour y aller, en tout cas. Donc, croyez en votre bonne étoile. Vous êtes guidé, vous êtes entouré. Ce changement et cette transformation, eh bien oui, c'est nécessaire et c'est bénéfique. D'accord? Avec l'étoile, oui, c'est bénéfique. Véritablement. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Bélier, mais en tout cas, oui, c'est bénéfique, c'est des très, très belles énergies. Hein. Donc, ici, oui, continuez à ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, si vous avez déjà, vous êtes déjà passé à l'action et que maintenant, il y a des choses qui doivent se... peut-être il y a des choses qui doivent se mettre en place, se mettre en route d'elles-mêmes, eh bien, continuez à alimenter ces actions d'énergie positive en vous disant oui, ça va bien le faire, oui, tout va bien se passer comme je l'espère, oui, j'envoie plein d'énergie lumineuse, donc ici, oui, soyez vraiment dans cette énergie-là, créez un égrégore au-dessus, mais un égrégore positif, un égrégore lumineux au-dessus de vos actions, au-dessus de ce que vous voulez voir se réaliser, au-dessus de ces changements que vous voulez voir opérer, d'accord? Donc ici, oui. On peut avoir des doutes, des hésitations, des questionnements par rapport à un changement que l'on est en train de mettre en place ou que l'on veut mettre en place. Donc ici, on se dit, est-ce que ces changements sont légitimes? Est-ce que je fais bien de vouloir aller vers ces changements? Ici, oui, on se questionne. Mais le besoin de changement, les besoins de nouveautés véritablement par rapport à votre, par rapport à vos envies, par rapport à vos nouveaux projets, eh bien oui, ici, bon, ça va être plus fort que les doutes. Bah oui, on peut douter, bien sûr, est-ce que je fais, est-ce que j'y fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Bah oui, mais si on est, si on continue sur ces hésitations, on passe jamais à l'action. Donc ici, bah oui, vous allez vous poser des questions, vous allez essayer d'avoir les informations, vous allez dire, ok, je me lance, de toute façon, c'est quelque chose qui est plus fort que vous, c'est limite, c'est même un besoin. J'ai besoin de transformer, j'ai besoin d'aller vers ce changement, j'ai besoin d'exercer une mutation, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment un changement et on va passer outre les doutes. Et on sait, de toute façon, vous allez passer outre les doutes parce que vous savez que ce changement est bon pour vous. Et vous devez, c'est nécessaire à votre équilibre également. Alors, c'est pas que vous êtes mal, que vous n'êtes pas bien, mais vous savez que là, vous avez besoin de ce changement. C'est plus fort que vous. Bah, ça s'explique pas. Ça peut parler par exemple d'une volonté de déménager. J'ai besoin de déménager parce que ça fait plusieurs années que je suis au même endroit. Et là, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de changer de mur. D'accord? Ou peut-être qu'ici, bah, j'étais dans un studio, j'ai besoin d'un deux pièces. Je voudrais une pièce plus grande. Un espace de vie plus grand également. Donc ici, là, ça devient un besoin aussi. J'ai un besoin de changer d'environnement. J'ai besoin de renouveler les énergies également. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami Bélier. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, croyez en ce que vous faites. Surtout, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Regardez, il y a un ange qui est au milieu de l'étoile. Donc ici, vous êtes guidé. Écoutez votre intuition. Elle va vraiment vous pousser à aller dans la bonne direction. En tout cas, ici, oui, ayez foi en ce que vous êtes en train d'entreprendre parce que ça va vous apporter la prospérité. Ça va vous apporter que du bénéfice, que du bon. D'accord? Donc ici, oui. Donc oui, la réussite,
la réussite dans vos espoirs, la réussite dans vos projets, la réussite, est-ce que ce projet-là, ce sera une véritable réussite pour vous, effectivement. Voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est faites du tri. Donc, faites du tri, amis lions, oui, du tri dans vos affaires pour décharger, pour renouveler les énergies. Faites du tri dans vos relations, faites du tri dans vos relations amicales, professionnelles. Faites du tri. Ici, il est temps de changer les énergies, de faire bouger les énergies, de se délester aussi, peut-être également. Donc ici, on vous dit des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires, élimine tout ce qui traîne depuis longtemps, offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Oui, donc faites du tri pour justement oui, vous délester. N'oubliez pas que le tri, le champ... Le tri, bah oui, faire du tri dans ses relations, faire du tri dans ses affaires, et oui, c'est bénéfique. Forcément, ça fait bouger les énergies, ça change les énergies, puisqu'on va vers du renouveau. D'accord? Ici, on nous parle de quoi? Oui, faites du tri, parce que ici, faites du tri, parce que vous ouvrez les yeux. Vous étiez peut-être dans l'illusion d'une situation, et ici, pour moi, bah, l'illusion va s'en aller. D'accord? Donc ici, oui, il y a des masques qui vont tomber, il y a des vérités qui vont se révéler également. Vous allez avoir des compréhensions également. Donc ces compréhensions vont peut-être. Parce que vous avez fait du tri, en faisant du tri, vous allez avoir des compréhensions. Peut-être qu'ici, comme les illusions sont en train de tomber, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des. Oui, vous allez avoir des informations aussi qui vont vous aider à comprendre certaines situations, certaines choses aussi qui se sont passées, certaines. Alors, choses qui sont passées entre personnes également. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des compréhensions par rapport aussi à des événements qui se sont produits dans votre vie à million. Donc ici, ben oui, comme on y voit clair, ben on va pouvoir aussi faire du tri. On va pouvoir faire du tri de manière claire, en tout cas. Claire parce que maintenant, on sait vers quoi on veut aller. Peut-être qu'ici, on s'était peut-être mis des œillères devant les yeux parce qu'on ne voulait pas voir, parce qu'on ne voulait pas avancer. Dans telle ou telle direction, et là, ça y est, c'est fini. Les œillères tombent, on ouvre grand les yeux et on avance en fait. Donc, ici, oui, le fait, il y a un succès. Le succès, c'est d'y voir clair. Donc, ici, oui, avec votre épée, vous allez couper le voile de l'illusion, vous allez couper tout ce qui était illusoire, peut-être dans certains schémas que vous entreteniez, peut-être dans cette forme de pensée aussi que vous aviez également. Donc ici, oui, avec l'épée, je coupe tout. Je coupe tout, je coupe les illusions, je fais du tri, je fais du ménage. Et ici, on vous dit que oui, cette action va vous apporter du succès. Ça va vraiment vous aider justement à reprendre confiance en vous. Et aussi, comme on sort de terre ici, ça veut dire que vous avez travaillé sur votre ancrage. Tout ce que vous allez mettre en place à partir de maintenant. Bah, ça va être aligné par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous voulez. Oui, on a laissé tomber les voiles, on a laissé tomber les œillères, et maintenant on sait ce que l'on veut, on sait qui l'on est également, et on va se donner les moyens d'y aller. D'accord? Donc oui, faire du tri, c'est bénéfique. Du tri dans vos idées, du tri dans vos aspirations également. Oui, c'est pas que au niveau matériel, c'est au niveau aussi intellectuel également, dans les formes de pensée aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler à milieu. Bon, bah écoutez. Ici, on nous dit que vous allez faire preuve de sagesse, que vous allez avoir la bonne réflexion, que vous allez vraiment prendre le recul nécessaire pour ouvrir les yeux, en fait. Hein. Ici, regardez, les yeux sont grands ouverts. Donc, j'ouvre les yeux. J'écoute mon intuition également. Et puis, je vais pouvoir avancer dans une situation. Je vais pouvoir avancer dans mes projets. Je vais pouvoir peut-être aussi. Peut-être remettre des projets en route ou tout simplement je vais pouvoir aussi me lancer dans de nouveaux projets. D'accord? Donc oui, on vous dit que vous avez en plus avec la sagesse, vous avez la force spirituelle. Donc oui, soyez bien centré, soyez bien ancré sur ce que vous voulez mettre en place, bien évidemment, parce que vous avez la sagesse, vous allez y voir clair. On sort de l'illusion là, d'accord? On sort de l'illusion, on va y voir clair. Et surtout, on a la force
pour avancer, on a la force pour relever les défis. Donc oui, regardez ici, on a la force pour supporter certaines situations qui pouvaient être malaisantes, bien évidemment. En tout cas, ici, oui, on va faire preuve de sagesse. On va avoir la bonne réflexion et la bonne analyse. D'accord? On va avoir le bon raisonnement, bien évidemment. Et puis aussi, on a la force avec nous. On a la force de l'esprit. D'accord? Donc ici, vous allez être guidé, vous allez être soutenu aussi par votre équipe de lumière. Là, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. N'hésitez pas à leur demander des signes. Et ils vous répondront. Hein. Ils seront présents à vous. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Ami Lion. Bon. Ici, par rapport au fait qu'on avait des œillères, par rapport au fait qu'on ne voulait pas voir certaines choses, bah ici, oui, on va prendre le recul nécessaire justement pour s'accorder la possibilité de voir au-delà de l'illusion. Peut-être que c'est une personne, ici, peut-être qu'au début, vous allez dire, bah oui, bah, il ou elle est bien, c'est une personne qui faisait illusion, peut-être qu'au début, vous n'avez peut-être pas envie de voir parce que vous aviez peut-être envie d'apporter du crédit. Alors, peut-être une personne qui est rentrée dans votre vie au niveau sentimental, peut-être au niveau amical, peut-être qu'au niveau professionnel, peut-être qu'ici vous aviez envie de lui accorder sa chance, même si au fond de vous, vous saviez que, bah oui, cette personne-là était dans l'illusion, ou que cette personne-là essayait de vous plonger dans une forme d'illusion. En tout cas, ici, oui, maintenant, j'y vois clair. Je vois clair par rapport à cette illusion que l'on m'a, que j'ai peut-être, on dirait, que j'ai peut-être co-créé également, ou en tout cas auquel j'ai donné du crédit pendant un certain temps, mais maintenant, non. J'y vois clair et l'illusion tombe. Donc ici, oui, on est dans la vérité. Là, on va vraiment vouloir voir exactement ce qu'il se joue réellement dans telle ou telle situation. D'accord? Peut-être à l'intérieur de vous aussi, par rapport à vos pensées, par rapport à vos projets également, oui, je laisse tomber les illusions. Et j'ouvre grand les yeux pour voir vers quel projet j'ai envie de me diriger, vers quel projet j'ai envie d'aller en fait. Hein. Donc vous voyez comment ça peut vous parler à millions. En tout cas, oui, il y a vraiment de beaux messages et de belles énergies ici. On y voit clair. On y voit clair et on va pouvoir avancer clairement dans ce que l'on voit, dans ce que l'on a envie. D'accord? Donc d'où le fait de faire du tri. Je vais du tri, je fais du tri, je mets de côté toutes mes illusions. Comment dirais-je? Je laisse tomber mes œillères, je laisse tomber mes illusions pour y voir clair, pour justement avancer clairement dans mes projets, dans une relation amicale, sentimentale, dans des projets personnels, dans des projets professionnels. Oui, maintenant j'y vois clair, maintenant et puis j'ai les yeux grands ouverts et j'ai envie d'avoir les yeux grands ouverts. J'ai envie de vraiment d'avancer et en écoutant ma sagesse, en écoutant mon intuition. Également. En tout cas, ici, oui, parce que vous avez la force spirituelle, parce que vous êtes aidé également, parce que vous êtes bien ancré, parce que vous êtes bien centré aussi, parce que la force spirituelle ici, c'est tous les chakras. Tous vos chakras sont ouverts, tous vos chakras sont open. Hein. Ici, je capte les messages. Je capte les messages en écoutant mon intuition. Avec le troisième œil, j'y vois clair. Je ne suis plus bercé dans l'illusion, bien évidemment. Je suis ouvert avec mon cœur. J'ai l'ouverture du cœur. Pour accueillir de nouveaux projets, pour accueillir aussi bah, mon intuition et ma petite voix intérieure également. Ici, avec le plexus solaire, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes projets aussi. Le chakra sacré, eh bien, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie d'y aller en fait. Hein, j'ai envie d'avancer dans ce que je veux mettre en place. Et chakra racine, eh bien, oui, je suis bien ancrée, je suis bien alignée par rapport à tout ce que je veux mettre en place. On peut repartir dans l'autre sens, je l'ai fait en descendant. Mais oui, parce que je suis bien ancrée, j'ai envie de me lancer dans de nouveaux projets. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes projets également. Je suis ouverte et ouverte pour me lancer. J'ai l'ouverture du cœur, donc je suis dans l'accueil aussi de ce que la vie va pouvoir m'apporter. Je vais communiquer par rapport, j'ai oublié le chakra de la gorge, tiens. Je vais pouvoir communiquer par rapport à mes idées, à mes envies. Ici, bah oui, je vais écouter mon intuition avec le troisième œil et je vais entendre aussi les messages que l'univers, les guides vont m'envoyer. Par le biais de ce genre de vidéo possible, par le biais aussi, peut-être si vous avez un oracle, vous pouvez aussi tirer une carte pour répondre à une question. Mais oui, vous êtes guidé, ne l'oubliez pas. Et ça va vous apporter un succès. Et en tout cas, le succès va venir aussi du fait que vous êtes guidé et que vous allez écouter cette guidance intérieure. Voilà pour vous, amis Lyon. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lyon, eh bien, un très joli week-end, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Lyons. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le message des fées. Donc, les fées viennent vous voir et viennent vous délivrer un message. Une situation va bientôt prendre une autre tournure.
Un événement pourrait te surprendre, sois attentif. Donc ici, il y a une surprise, il y a quelque chose qui va, un imprévu, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Alors, que vous n'aviez peut-être pas envisagé, peut-être que vous envisagez, vous espériez, peut-être que vous avez appelé de vos voeux également. Donc vous voyez quand ça pose époux, donc ici, il y a quelque chose, oui, qui va arriver. Alors peut-être qu'ici, ben, vous n'attendiez pas à ce que un de vos voeux soit exaucé. En tout cas, ça ne peut être que du positif. En tout cas, on va aller voir ça de suite. Bon. Ici, on vous annonce que vous allez recevoir des messages à un événement. Peut-être qu'ici, vous allez en avoir alors par mail, par téléphone, hein, par SMS. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a un message, il y a une communication qui va vous être délivrée, ami Sagittaire. Une communication peut-être que vous n'attendiez pas, qui va vous surprendre, c'est possible. Mais pour moi, c'est... Alors, on va aller voir la suite des cartes, mais pour moi, c'est plutôt une agréable surprise. Hein. C'est quelque chose qui... Bah oui, qui va vous remonter le moral, en tout cas qui va vous dire, ah bah ouais, finalement, peut-être qu'ici vous avez fait une action, peut-être que vous avez fait des chèques d'abondance, peut-être que vous avez fait le rituel de la canette que vous trouverez aussi sur la chaîne, hein, comme le chèque de l'abondance, ou peut-être que vous avez fait le jeu du portefeuille aussi à faire le soir de pleine lune pour justement attirer l'argent à vous. Mais en tout cas, peut-être que vous allez dire, bah, peut-être que vous avez fait des rituels, peut-être que vous allez dire, eh bah ouais, ça marche. Vous voyez, il y a quelque chose d'imprévu, vous allez dire, bah oui, finalement, bah, peut-être une rentrée d'argent imprévue. Alors, si vous attendez pas à ce que ce soit des millions, hein, forcément, mais peut-être que vous allez recevoir un remboursement que vous n'avez pas prévu. Peut-être que ici vous allez toucher de l'argent qui n'était pas prévu, même ne serait-ce que 100 euros, 300 euros. Et bien, tout ça va vous aider à payer une facture. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose d'imprévu, mais quelque chose de bénéfique. Et pour moi, ça a trait avec, avec de l'argent. J'ai l'impression qu'il va y avoir une rentrée d'argent qui n'était pas prévue. Donc ici, bon, un message qui vient vers vous. En tout cas, quelque chose, soyez attentif et attentive. Oui, il y a vraiment des choses qui viennent vers vous qui vont faire bouger les choses. Et bien, on vous dit en tout cas que oui, par rapport à ce message, on vous dit, peut-être que c'est par rapport à un projet. Donc ici, on vous dit, vous avez la force, vous avez la sagesse, d'accord, du sorcier, vous avez la sagesse du mage, du druide, ce que vous voulez, et vous avez la force du lion. Donc ici, les deux combinés, ça veut dire que vous avez la sagesse, vous avez l'intuition. Vous allez voir clair dans une situation, vous allez être persévérant et persévérante et surtout déterminé. Donc peut-être que le message que vous allez recevoir peut-être va renforcer votre détermination et votre persévérance pour avancer dans un projet. Donc ici, ça pourrait être une bonne nouvelle, peut-être une bonne nouvelle qui va, peut-être ici, vous allez peut-être demander un crédit, vous allez obtenir, le crédit va vous être accordé. Ça peut être ça également, d'accord? Donc ici, oui, ça va renforcer votre envie d'avancer, de vous dépasser. En tout cas, ici, oui. Parce que vous n'avez rien lâché, aussi, il va y avoir une bonne nouvelle. C'est ça, parce que vous avez été persévérant et persévérante également. Il y a un message bénéfique qui vient vers vous. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie, hein. Des bonnes nouvelles qui sont en chemin pour vous, amis Sagittaires. Ici, bah regardez, oui, des bonnes nouvelles. De la richesse, de l'abondance. Je vous avais dit qu'il y a peut-être une rentrée d'argent qui allait arriver, que vous avez peut-être oublié, que vous n'attendiez pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous. Un accord de prêt également. C'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, il y a une jolie richesse qui vient vers vous. Effectivement. En tout cas, il y a des rentrées d'argent. En tout cas, il y a quelque chose, il y a des satisfactions. Il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va vous satisfaire, qui va vous peut-être vous apporter comme un grand soulagement également. Ça va vous permettre de respirer. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous et c'est bénéfique. Donc, il y a vraiment ouais, de jolies choses qui viennent vers vous. Donc ça c'est l'imprévu. Donc ici, vous savez, c'est la maison de Dieu dans le tarot classique. Donc ici, on parle de bouleversement, un imprévu, quelque chose qui va vous apporter du changement, effectivement. Donc ici, c'est un changement lumineux pour moi, hein, avec la richesse. Là oui, il y a un imprévu qui vient, quelque chose qui va vous bouleverser. Par contre, ça pourrait être bouleversant, oui, dans le sens où peut-être que ça peut être, vous allez apprendre le décès d'une personne, et puis ça peut être aussi un héritage, hein. Ça peut être ça également. Mais en tout cas, ici, oui, c'est un imprévu, mais un imprévu qui va avoir des conséquences plutôt bénéfiques. Alors, si on met de côté la perte d'une personne et un héritage qui arrive, bah, c'est un héritage, c'est quelque chose d'inattendu. Peut-être qu'ici, cette personne-là, peut-être que vous ne la connaissiez peut-être pas, c'est peut-être un parent éloigné également. C'est possible aussi. En tout cas, ici, oui, on vous dit qu'il y a un changement bénéfique qui vient vers vous. Il y a un changement qui va vous apporter vraiment des satisfactions, qui va vraiment vous permettre de concrétiser aussi peut-être certains rêves. En tout cas, si oui, comme vous lisez les faits, il y a une situation qui va vraiment bientôt prendre une tournure. Donc ici, oui, il y a une situation peut-être que vous pensiez
qui ne pourrait pas changer. En tout cas, ici, oui, il y a une situation qui va changer, mais qui va changer en votre faveur. D'accord? Ça peut être aussi, peut-être par exemple, vous attendez un verdict, vous êtes persuadé que par rapport à un verdict, par rapport à un jugement, ben, ça va pas être en votre faveur, ou en tout cas, ben, non, ça va pas être en votre bénéfice. Et bien, au contraire, peut-être que justement, vous allez avoir une belle surprise. Ou peut-être qu'ici, vous allez. Il y aura un bon terrain d'entente qui sera prévu, donc vous ne perdrez rien. Alors peut-être que vous ne gagnerez rien, mais vous ne perdrez rien. En tout cas, ça va vous apporter des satisfactions. Oui, ne perdez pas ça de vue. D'accord? Donc ici, oui, il y a un message qui va vous apporter des satisfactions. Alors l'abondance, c'est sur tous les niveaux, hein. Ce n'est pas uniquement au niveau bancaire, ce n'est pas au niveau argent, pas qu'au niveau argent, ça peut être un message d'une personne que vous aimez, d'une personne en tout cas peut-être qui reprend contact avec vous, peut-être ici, bien, peut-être que quelqu'un avec qui vous avez échangé des numéros il n'y a pas longtemps qui va reprendre contact avec vous. En tout cas ici, oui, c'est quelque chose que vous n'attendiez plus, que vous n'espériez plus, mais en tout cas c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Amis Sagittaire, là je n'ai pas grand-chose à vous dire en fait, hein. Ça roule en fait, hein. Des messages qui vont vous apporter des bonnes nouvelles, qui vont vous apporter des satisfactions. Des satisfactions peut-être qui n'étaient pas prévues, bien évidemment. Donc c'est plutôt joli ici comme énergie, ouais. C'est plutôt joli ici. Peut-être aussi par rapport à. Alors, quand on parle de messages, on parle de documents également. Peut-être qu'il y a un document officiel. Peut-être que vous avez signé, peut-être qu'ici vous êtes dans des signatures, vous êtes dans une officialisation de quelque chose, et en fait, ben, cette officialisation va vous être véritablement bénéfique. Ça va vraiment, alors peut-être pas au départ, mais en tout cas par la suite, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter, oui, qui va être bénéfique pour vous, qui va vraiment vous apporter qui va vraiment vous apporter, oui, un enrichissement. Alors, ce n'est pas forcément un enrichissement au niveau du porte-monnaie, mais c'est un enrichissement spirituel, un enrichissement intérieur. Ça va vous apporter de nouvelles connaissances, ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Eh bien oui, c'est ça, en fait, hein. Peut-être que le message, c'est ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités, des opportunités qui vont vous enrichir. Ça veut dire peut-être que vous apprendre de nouvelles choses, vous enrichir, peut-être que, bah oui, ça va vous donner une nouvelle corde à votre arc, donc par rapport à peut-être à votre profession, peut-être qu'ici, oui, il y a vraiment quelque chose ici, vraiment de beau. Remettez en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous attendez également, de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie aussi. Bon. Ici, on dit que par rapport à cette situation inattendue, par rapport à ce bouleversement, cet imprévu, qui pour moi est bénéfique, hein, qui est pas catastrophique, ce bouleversement, on vous dit que oui, vous avez la sagesse et vous avez la force. Vous avez la sagesse, vous avez la détermination, vous avez la persévérance. Donc ici, quel que soit cet imprévu, eh bien, vous en sortirez vainqueur. Ici, parce que vous avez tous les atouts pour ça, pour que ce bouleversement ne soit juste qu'un imprévu, ne devienne juste qu'un imprévu. Que ce qui aurait pu être un tsunami soit juste une petite marée. Allez. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, oui, il y a quelque chose qui aurait pu avoir des conséquences ou avoir des. Ouais, vous auriez pu ne pas obtenir ce que vous voulez, ben là, au contraire, vous allez obtenir même plus que ce que vous pensiez, et même obtenir des choses que vous ne pensiez même pas obtenir. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très positif. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.